étape du KPE 2012. Race Race Elite, en français, Centre Montagne Elite. Cette première étape, longue de 198 km 800, nous conduit de Calanel, Côte d'Armor, à Tourret 56, Montbrillon. Au cours de cette journée, il sera disputé 4 classements du meilleur grimpeur, maillot à pois rouge, au kilomètre 24,6, au kilomètre 105,2, au kilomètre 138 et au kilomètre 157,4. Patronné par BN Pharmatique, la CCKB et le Conseil Général des Côtes d'Armor. Du Morbihan et le pays du roi Morvan. À l'arrivée, le meilleur jeune revêtira un maillot en rose.
Paloma vient de sortir du peloton. Prenez note, le 32, 32, 63, 63, 138, 138. Deuxième heure de course, 39,7, 39,7. Moyenne générale de la course, 41,3, 41,3.
23 km/h. Thank you.
131, le 131 et le 25, qui avait été distancé par le groupe de tête, sont pointés à 16 secondes, 16 secondes. Je rectifie 5 secondes, et non pas 16, 5 secondes, le 25 et le 131. Thank you.
qui avait remporté quelques années plus tard étape sur les 4 jours de Dunkerque. Ce fut le cas dans la localité de Saint-Amand-les-Eaux avec l'arrivée. Pas de problème, le coureur. Voilà, on est à l'écoute de Trégor Sonos et André Stensen qui s'imposent. Pas de problème avec le coureur donc. De la formation danoise qui prend le meilleur. Très belle arrivée avec la démonstration pour le vice-champion du Danemark. Arrivée victorieuse. Il a conservé, du moins, une légère avance par rapport à ses adversaires immédiats de la journée. Victoire d'André Stensen, le coureur de la formation danoise. Très belle démonstration. Combien de victoires depuis ce début de saison ? C'est ma sixième victoire. Sixième, la plus belle, ça a été laquelle ? Attention à la réponse, parce qu'on a un public de connaisseurs, celui de la Bretagne. Bien sûr, aujourd'hui, merci. Un vainqueur parfait sous vos applaudissements. André Stensen, le grand vainqueur avec la remise. Ce sera bien entendu des récompenses de l'Europe.